Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas touché au jeu, puisque ça doit faire presque 2 mois. Ça doit faire presque 2 mois. Alors, ce n'est pas bien grave. Si, j'ai quand même quelque chose à vous dire. Lors du précédent épisode, je m'étais arrêté ici, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu sauvegarder. J'avais une restriction bloquée de fichiers, je ne sais pas quoi, sur mon ordinateur. Bref, je ne pouvais plus, le jeu ne pouvait plus sauvegarder. Ce qui fait que j'ai dû quitter le jeu parce que j'ai fait le con. J'ai quitté le jeu pensant que ça avait sauvegardé. Et en fait, ça n'avait pas sauvegardé. Donc quand j'ai voulu relancer un épisode, eh bien, j'ai dû me retaper tout l'épisode précédent. Donc c'est ce que j'ai fait en off. Et c'était quand même. Je l'avais refait juste après à la suite dans la foulée. Puisque je m'en étais rendu compte. Mais. Tchac tchac. Alors la vidéo était enregistrée donc c'est pas de souci. Hein. J'avais pas dû réenregistrer. Enfin j'avais juste sprinté. On peut passer les dialogues et ça c'est cool. Bref, on s'en fout complet. Je dois aller à là-bas. Et donc allons là-bas. Hop. Vous trouvez déjà l'endroit sélectionné. Palais à Émir. Attendez, je comprends pas. Si je dois faire le voyage rapide et je dois aller voir Émir machin là. Il doit pas être sur la carte. Carte du monde. Voilà, ça doit être là. Palais Royal. Ok, bon bah disons que c'est ici. La malédiction de Ma, ça va être difficile à lever. Et oui. Et oui, parce qu'ils sont super puissants. Mais un elfe. Et oui. Et ça, c'est très profond. Mais pas un homme, c'est un elfe. Sur l'île des brumes. C'est bien, ça nous permet de nous remettre un petit peu dans le contexte. Alors. Tu m'as parlé là? C'est ça, tu m'as parlé? Ouais, bah fais gaffe à qui tu parles. Merci. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est le petit cercle vert là qui m'indique quelque chose. Hop, je dois sûrement monter. Je ne sais pas. Non, elle est là. Ok. Paf. Quap. Quap. Un jour, ces gardes, je vais les buter, hein. Ta ta ta. Je me balade. Tac, tac. Mais je comprends ce que tu dis. Je dois monter? Ouais, je dois monter. Okay. Tchac, tchac, tchac. Émir Var Emrys. Emrys, plutôt. Salut, j'ai potentiellement retrouvé ta fille. Votre Majesté impériale, sorceleur. Mais qu'est-ce qui vous amène? Bah, regarde-moi au moins. J'ai réussi à localiser Ciri. Enfin. Voilà. Enfin. Je commençais à douter du bien fondé de votre engagement. Ramenez-la sur le champ. La chasse sauvage est à ses trousses. Eh oui. Elle ne sera en sécurité qu'à Kaer Morhen. Ce n'était pas une suggestion. Je saurai veiller sur ma fille. Je n'en doute pas, je préfère m'en charger. Si tu veux, c'est la chasse sauvage, mon coco. Hein. Je saurai veiller sur ma fille. Après, je n'en doute pas. Tellement confiance, alors que je préfère m'en charger, c'est un peu sec. Je ne doute pas qu'il est capable de veiller sa fille, c'est juste que j'ai des doutes quand même. Vous voyez, je préfère m'en charger. Je préférerais m'en charger, j'aurais préféré qu'il dise. Parce que là, il va nous dire j'en ai rien à foutre de ce que tu préfères. On préfère s'en charger quand même. J'en doute. La chasse sauvage n'a rien à voir avec un ramassis d'auxiliaires témériens ou d'archers lyriens. Ah ouais, il est chaud comme ça. Ici mettrait visiblement en péril, ainsi que des centaines d'innocents. Il n'y a pas âme qui vive autour de Kaer Morhen. Et votre armée y serait bien plus utile. Ah. Entendu. Ah ben. J'enverrai un détachement. Très À bien. une condition. Que le général Voris soit à sa tête. D'accord. Je ne puis accepter. Et je ne puis accepter de laisser des sorceleurs commander mes troupes.
Ma foi. Et oui. Aucun de nous ne paraît disposé. Je sais pas qui c'est le monsieur. Désolé d'avoir abusé de votre temps, Majesté. Ramenez-moi Ciri. Entendu. Si tel est son souhait. Et oui, mon coco, hein. Parce que elle a peut-être son mot à dire dans l'histoire, non? Tu penses pas? Ouais, c'est ça. Tu crois que je t'ai pas vu avec ton petit couteau là, va me planter là? Non, pas du tout. Bon, alors. Non, c'est pas là. C'est où les cartes? Je ne sais plus jouer. E, A, T, C, G, R, F, G. Ah, G, c'est pas mal. C'est pas le bon truc. C'est pas mal. Carte du monde. Alors, carte du monde. Kaer Morhen. Paf. Voyage rapide est impossible ici, car de toi un carreau. Mais zut. Sérieusement. Couvre un petit peu. C'était par là. Paf, paf, paf. C'est lui, Mouran. Non, Morvan. Ah, si, c'est ça, c'est Vouris. Moi, je suis bien content qu'il vienne pas. Hein. Hop. Mais il faut qu'il arrête, lui, avec son feu. Hop. Voilà, Kaer Morhen. Bam. Mais on. Tu pourrais changer le texte, au moins, on vient de se le taper. L'homme le plus laid du monde. Et un elfe. Avalar, car tel était son nom. Avalar. Qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage. Très bien, très bien. Aidé à s'exiler sur l'île des brumes. Et oui, j'adore l'intonation qu'il a, c'est un peu drôle quand même. Rendez-vous sur l'archipel de Ski. Mais en fait, c'est pas du tout là qu'il faut que j'aille. Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai fait du grand n'importe quoi. L'archipel de Ski, on n'y est pas là. N'importe quoi. Par contre, je dois aller où? Là. Rendez-vous sur l'archipel de Skellige. Ouais, ouais, ouais. Bah là, sûrement. La malédiction d'Oumar s'avéra difficile à lever. Mais les frères et les sorceleurs y parvinrent. Oh merde. Change le temps de chargement, le jeu, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est la quatrième fois que je me le tape. Vous, ça fait que 3, hein. Vous avez de la chance. Parce que quand j'ai chargé le jeu la première fois, j'ai reçu ce texte. 198, ok, c'est bon. Ça me va. Monter à bord d'un bateau. Mais pourquoi? Ah, peut-être ma blette. Non, ça c'est le Gwen, je m'en fous. Je m'en fous. C'est où ma blette? Ah, c'est X. Yes. J'ai bien fait d'ouvrir tous les menus du jeu pour ne pas pouvoir faire ça. Très bien. C'était une position tout à fait normale. Oh là là. Non mais dégagez. Mais bien que vous gênez là. Bon. Tac 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 tac. Mais pourquoi il y a plein de... Ah, ça me dit où sont les bateaux. Ok. Je me disais pourquoi il y avait plein de points jaunes. C'est juste les bateaux. Allez, U. U qui dit le monsieur. Bam. Non, on n'est pas un homme dans le besoin, puisque c'est nous l'homme dans le besoin. Hop. Vous voyez jusqu'à l'île des brumes. Mais elle est où l'île des brumes? Je me dis pas qu'il faut que je me retape. Ça va m'énerver. Carte. Où est l'île des brumes? Mais on se foutrait pas de ma gueule là. Je
peux m'y téléporter ici, j'y suis déjà allé, non? On est bien d'accord, je peux y aller là. Oui, c'est là où on était. Oh, attendez. On va faire demi-tour. Hein. Wait, wait, wait. Vraiment que je monte à bord d'un bateau? Non. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle est où la carte? Nom d'un chien, tiens. C'est mon cheval, ça? Ouais, c'est mon cheval. Ah, mais il y en a un là. Parfait. Tu avances, s'il te plaît. C'est par là. Paf, il y a un petit panneau. Je peux y aller, on est d'accord. Et voilà. Vous y attendez, hein, évidemment. Oh non, on peut... On s'est téléporté direct. Monter à bord d'un bateau. Quoi? On se foutrait pas de ma gueule, là, un peu? Attendez. On se fout clairement de ma gueule, là. Quand je suis dans un bateau... Comment je fais? Comment j'ouvre la carte? Ça m'énerve. J'ai... Non. Bon, bref. On va faire comme ça. Quand j'étais sur le bateau, il me disait ici. Si je monte sur le bateau, là. Si je vais sur ce bateau. En bas. Je pensais que je peux arnaquer le jeu comme ça. Ça, je monte sur un bateau, techniquement. Voilà. Techniquement. Ok, faut absolument que j'aille par bateau. Par contre, j'en ai fait gagner un petit peu de... Tu veux pas aller... Tu veux pas reculer? Non, bah on va prendre l'autre bateau là-bas. Hein. Hop. Vous ne m'en voudrez pas. Par contre, j'ai pris un chat là, c'était pas bon. Ah voilà. Hop. Oh non, non le jeu. Non le jeu. Allô? Ah, j'ai fait bugger le jeu. Oh lol. Ah, c'est notre fête aujourd'hui, là. Entre le cheval et... Par contre, je comprends pas pourquoi. Qu'il faut que j'aille en bateau là-bas, quoi. Ouais. Pourquoi il tourne pas? Ah, merci. Parce que je ne tourne pas. Oui, les cris de... Eshida, oui. Balestek. Hop. Accélérer, maintenir mage gauche. Ah, c'est mage gauche, là. Très bien. Faut savoir, hein. Un coup, c'est R, un coup, c'est mage gauche, on sait plus. Hop, d'un autre côté, vu qu'il faut bouger avec Q et D, c'est pas... C'est pas inintéressant comme stratégie. Ce que je comprends pas, c'est qu'on y était à l'île aux brumes là et ça a pas fonctionné. Voilà, faut vraiment qu'on arrive là en bateau quoi. Bon, on a économisé quelques kilomètres en. en se téléportant directement ici quand même, par contre. L'île aux brumes. Il a fumé là-bas, ça sent la chasse sauvage directe. Hein. Je vous avoue que j'aime pas trop ça, mais... J'ai pas trop le choix, hein.
qu'il y ait de la brume sur l'île aux brumes, ça paraît cohérent. Cela dit, il faut que je monte. Ah, attention, sauvegardez votre partie maintenant. Vous approchez d'un instant crucial de l'histoire du jeu. Nous vous conseillons de sauvegarder manuellement votre partie maintenant. Ok. Certaines quêtes secondaires sont pas disponibles niveau de personnage quand je sais 22 ou plus. Très bien. Échec de la quête cabaret. Balestec. Ok. On arrive à un moment crucial. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi la voie. La malédiction d'Ouma s'avéra difficile. Mais Yennefer et les sorceleurs. J'en peux plus! C'est la cinquième fois, sérieux. Oh non. Là ils ont déconné là. Ding ding ding. Ça sent la cinématique épique là. Suivi d'un combat pour tout ça. Par contre on a perdu qu'une seule quête, donc c'est pas trop. C'est pas dommage. Enfin c'est. C'est pas trop mal quoi. Je m'attendais à en perdre plus. C'est peut-être celle avec le nain, ça, par contre. Cabaret, je sais plus. Ah ben, c'était une cinématique très très épique, en effet. Suivez la luciole. Ça serait bien de la voir, déjà. Ok. Pourquoi tu me fais faire des zigzags comme ça, luciole de merde? Tu peux pas avancer tout droit? Que non. Pourtant j'accélère pas là. Hein. Ah. Ok. Il y a des machins qui volent dans les murs, c'est très étrange. C'est la journée au bug. Hein. L'île des brumes, suivez les lucioles. Ouais, on sait pas où on est. Enfin, sur l'île aux brumes, mais elle est bien. C'est pas trop une île là. On est d'accord. Par contre, ça correspond pas. J'aimerais voir sur la carte. Quoi, un alcool fort? Carte du monde, s'il vous plaît. C'est là. Ça correspond absolument en rien à ce qu'on connaît. Non. Là, là. Et on est où? Mais justement, je sais pas. Très bien. Pas bien grave, on est dans un. Dans une dimension parallèle. Oula, il y a encore des ça là. Ah! Tu veux pas sortir ton épée là? Mais reste dans le bateau, abruti. Bon, on va accélérer du coup. Il semblerait qu'on soit arrivé à port. Hop, très bien. J'ai pas pris le bon. C'est pas ça que je voulais. Merde. Hop. Aïe. Par contre, pourquoi il fait pas. Attendez, c'est bien F pour faire ça. Pourquoi il le faisait pas? On va prendre du soin, si vous le voulez bien. Merci.
Comment je pars? Est-ce qu'au puissant? Je me rappelle plus comment je pars en fait. C'est bizarre. Bref. Est-ce que je pourrais pas avoir un peu de manger encore? Ça quand même. La luciole s'est arrêtée à la cabane. Allons voir à l'intérieur. Ouais, on va. En fait, on peut peut-être. Comment je fais? Ah. J'ai refait la même bêtise. C'est pas la carte. Ouais, bah écoutez, je sais pas. Faudrait que j'aille voir. Pourquoi je voulais la carte, au fait? Non, je voulais juste ça. Très bien. Je peux pas méditer? Ah, ça se fait tout seul. Ok, je peux pas faire ça. Très bien. Par contre, ça m'a direct. Fermé. Ça m'a direct tout repris. Y a quelqu'un? Merde. Oui. Je ne vous veux pas de mal, ouvrez. Ah, bravo de la discrétion. Qui vous êtes? Et qu'est-ce que vous voulez? Cherche après une jeune femme aux cheveux cendrés. Je suis Gérald. Je suis Gérald. Je recherche une jeune fille. Cheveux cendrés et cicatrices au visage. Allez-vous me laisser entrer? Non. Bon. Je vais finir par me fâcher. Combien êtes-vous là-dedans? Pourquoi je vous regarde? Vous faites un recensement? Non, c'est pour vous péter la gueule. Ah merde, ressaisissez-vous les gars. Mais oui, ressaisissez-vous, enfin. Là, derrière la porte, c'est bien Gérald? Oui, c'est cela, Gérald. Écoutez Gérald, venons-en au fait. On a survécu à un naufrage récemment. Les bêtes des profondeurs ont dévoré plusieurs de mes gars. Alors je me suis réfugié ici avec les autres. Très bien. Cette île regorge de danger. Alors, vous étonnez pas qu'on soit un peu méfiant? Je m'étonne pas, c'est juste que... Je ne vous veux aucun mal. Vous n'avez rien à craindre de moi. C'est ce que dit le renard aux oies. J'ai déjà perdu trop de compagnons, je prendrai pas ce risque. Sinon je peux péter la porte aussi. Hein. Je vais chercher vos compagnons disparus. Ouvrez avant que je m'énerve. J'ai pas envie d'aller chercher leurs compagnons disparus. Mais j'avais pas envie de m'énerver non plus. Ouvrez cette porte ou je l'ouvre moi-même. Essayez toujours. Ces cons et cette serrure peuvent résister à tout. Enfin, vous pouvez toujours revenir avec une troupe d'ingénieurs, un bélier et un serrurier de main à câble. Je suis sorceleur, je te l'enfonce ta porte. On est menacés. On est dans le même bateau, on devrait s'entraider au lieu de se discuter. Eh ben oui. Eh bien, que voulez-vous? Je veux que vous retrouviez nos compagnons Ivo, Pierre et Gaspard. Ça servait à quelque chose, donc. Ils sont sur l'île, sûrement égarés. Très bien. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. C'est bien vous. Eh bien, vous, c'est bien vous. Tu es bien faible, Gérald. Un sorceleur digne de ce nom, qui est censé tuer tout ce qu'il peut, il peut pas péter un petit verrou d'une porte. Hein. Bravo, monsieur Gérald. Quel côté dois-je le chercher? Eh oui. Cet idiot voulait à tout prix explorer les grottes. Oh, t'es à l'est. J'ai tenté de l'en dissuader, mais il a la tête dure. On devrait les vérifier. Très bien, très bien. Où est Gaspard? Gaspard. Non pas qu'on s'en cogne pas le coquillard. Il disait que c'était défaitiste de rester là à attendre des secours. Il fallait agir. Alors c'est ce qu'il a fait. Très bien. Il a prétendu avoir repéré un falot en mer. Alors il voulait escalader le plus haut sommet pour guetter les navires. Bah, il est pas très intelligent, Gaspard, parce que vu le temps de chien, tu vois pas 2 km. Hein. Où est parti, Fé? Vers l'ouest pour trouver un bateau qui sera là-bas. Très bien. Frank, c'est un bricoleur. Il s'est dit qu'il pourrait le retaper pour qu'il tienne la mer. Ah, c'est bien fait, Frank, c'est bien. Très bien, très bien. Très bien. Je vais essayer de les trouver tous les trois. A plus tard. Content que vous compreniez. Tu vas me dire que ça.
Ça pète pas la porte. Très bien. Bon, bon, bon. Il va falloir revoir ses compétences, monsieur Geralt. Alors. Vous ne m'en voudrez pas. Si je sauvegarde. On a beaucoup. Alors, on a les foies. Ouais, bon. Comment ça me saoule, eux, là? Tu veux pas viendre. Et voilà. Toi, voilà. Tu peux pas faire le coup de grâce là, sérieux? Ah, bah si, ouais. Paf. On va essayer de buter celle-là en attendant que ce soit KO. Toi, tu te couches. Merci. Ah non, il est encore là. Tu veux pas venir... viens vers moi. Voilà. C'est bien... achevé. Ben voilà. Hop, je peux pas looter des trucs si voilà. Non pas que je compte en faire quelque chose, mais. On sait jamais, il y a des griffes de je sais pas quoi. Hop. Plutôt bien gérer le combat, je trouve. On pourrait se prendre un petit peu d'olive. Des pissenlits et par la racine. Ah, c'est par là-bas. On va continuer le chemin. C'est plus sûr. C'est chelou là. Là-bas, là. Il y avait de la lumière. Quelque chose me dit qu'il. Ah oui. Paf. Esquive, esquive, re-esquive. Ça dégage, hein. Nice, hein. Ah. Un humain. Content de vous voir. Bah saute. Parlez à vos amis. Descendez. Entendu. J'arrive. J'arrive. Dédé là. J'ai un regret, vous savez. Que. Mort. Merde. Mais c'est qui ce gland? C'est qui ce gland, sérieux? Regardez, tu montes comme ça, paf. Hop. Et puis après. Et après, Geralt, il n'arrive pas à monter. Donc, ah, voilà, si tu montes comme ça. Bon, au pire, tu te casses la gueule. Mais tu te butes pas, enfin. Bon, bah, rip, hein. Rip, rip, rip. Bon, ils vont tous crever, du coup. J'ai bien compris. Ils sont tous déjà morts, en fait, ça se trouve. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai mon épée, mais alors je l'ai pas. J'ai l'impression que je courais comme si j'avais mon épée, mais je l'avais pas. Non, on est d'accord, on est d'accord. Bon. Je ne peux pas faire ça ici, très bien. Je peux pas sortir mon épée, j'aime pas ça. Non, j'ai pas un pouvoir, si. Qu'est-ce qu'il fout? Il a allumé le feu? Ouais, il a allumé le feu, ok. Il va pas m'agresser, ce con. Du vent maléfice.
Non. Ok, on va prendre ça. Hey, réveillez-vous. Il est mort aussi. Couche-panier, bubule. Ouais, debout. Complètement fou. Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Oh. Je m'appelle Gérald. Je m'appelle Gérald. Vous et vos amis, qui êtes-vous au juste? Je cherche après une jeune femme. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. N'auriez pas croisé une jeune femme aux cheveux cendrés par hasard? Ici? Non. Bam qui vive. Enfin, j'arrête pas mal avec tout ce que je plonce. Ah oui, d'accord. Très bien, très bien. Je vais guetter s'il y a des bateaux. Amis et associés. Estimation foncière, assurance, organisation d'événements. Ah oui, d'accord. Gaspard Sutter. Mes amis m'appellent Dormeur. Même la on se demande bien pourquoi. Mmh. Quelle pitié, tous ces morts. Mais tu peux rajouter Yob à ce compte. Vos amis m'ont demandé de vous trouver et de vous ramener. J'ai bien peur qu'ils soient morts. Ivo s'est fait submerger par des créatures. Quant à Ferenc, j'ai entendu son hurlement à glacer le sang, puis le rugissement d'une bête. Retournons à la hutte. Je vous protégerai. Si c'est pas malheureux pour mes compagnons. Et qu'est-ce qu'on y peut? Venez. Mais je vous préviens. Je souffre de narcolepsie, alors... Je sais de quoi il retourne, pas d'inquiétude, je vous tiendrai éveillé. Il va se casser la gueule dans les échelles, il va crever. Non. Il va y avoir évidemment la démonstre qui vont nous attaquer. Ramener Gaspard à la hutte. Allez Gaspard. Viens, Gaspard. Te perds pas dans les fougères, par contre. Merci. Bam, bam. Ah merde, je l'ai pas esquivé celui-là. Et boum. Aïe. Qu'est-ce que t'es moche, ça oui par contre, je suis d'accord. Ah et par contre je suis en train de crever là. Ça va pas du tout. Ok ok ok. Très bien. Viens là Gaspard. La mirette qui se... Oh mais non putain. Debout. Oh, Bubule, t'es un vilain chaton, tu sais ça? Ça va, je suis... Bouge ton gras. Bouge ton gras, connard. Vous connaissez bien cette île? Pas vraiment. Bien sûr, bien sûr. Vous saviez qu'elle ne figure sur aucune carte? Comme la plupart des îles enchantées. Ah, c'est pour ça que je la voyais pas. Enchantée? C'est la seule chose dont je sois sûr. Oui, a priori. Il fait 5 pas. Oh, tu vas pas revenir, toi. Hein. Il y a autre chose à faire que. D'ailleurs, on va se prendre une petite. Ah, mais pourquoi t'esquives pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? On a un autre, non? Attendez, c'est... Non, c'est lequel qui me... C'est lui qui me protège. Ouais, c'est ça. On va se reprendre un peu de vie encore. Parce que la vie, on aime ça. On va encore s'endormir, je le sens. Ça va. On va essayer d'esquiver les monstres. Ils nous arrivent sur la tronche. Ouais. Damn.
l'ai vu arriver sur la carte, lui. Alors la hutte. Mais il n'y a plus la hutte, on est d'accord. Il a tenté de fuir le fielan. Trop court sur pattes. Il n'a pas pu le distancer. Mais pourquoi il me fait chier avec Ferinck là? Je me suis chié. Dommage qu'il soit mort. Mais merde, putain. Je savais bien que ça allait pas à la hutte, ça. On savait qu'il était mort, l'autre con. Bon, cela dit, on a la certitude. Tant qu'on est dehors, autant y aller. Hein. Ah, mais Gaspard à la hutte. Ah, évidemment, on va y en avoir un autre. N'empêche, les cris là, ils sont. Ils font pas plaisir. Hein. Ouais, lui, il se pointe, lui. Il croit qu'on ne l'a pas vu. Ah, ça dégage. Tadam. Allez, bouge. Je sombre. Je vais bientôt. Oh putain. C'est pas le moment. Bibu, t'as vu un château, je sais, mais ta gueule. Allez, on se bouge. On se bouge. D'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans ce drôle d'endroit ? D'ailleurs, on va se mettre en pause. Et ça va être une fin d'épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. À la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Les oiseaux se sont tués pour la nuit. Les phares bien rendus.